Hello, my name is Lulu, I am French, and I admit I do use the word quoi, but not only in the literal sense. The French are so complex. In this video, I shall illustrate two ways of using the word quoi. First, the question, and secondly, the end of an argument. Quoi, which means more or less... More or less. Lulu, qu'est-ce que tu fais? J'ai bientôt fini. Ça fait bientôt 30 minutes qu'on t'attend, là. Tu fais quoi? J'ai bientôt fini, quoi. Oh. Dis, t'as envie de faire quoi? J'ai envie de faire rien. Rien. J'ai envie de faire rien, quoi. Rien, quoi. Ok. T'essayes de faire quoi? Je médite. Bah, t'as l'air bête, quoi. Est-ce que tu m'aimes? Bah, je t'aime bien, quoi. Quoi? Quoi? Quoi, quoi? Bah, quoi? Quoi? Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi? I hope you understood something in this video. Hope it will be useful for you. Next time you come to Paris, come and see me, quoi. Allez, bisous. À bientôt. Coucou, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, ça me ferait plaisir que tu likes, que tu partages ou que tu t'abonnes. Aussi, je voulais surtout prendre cette occasion pour remercier mes collègues parce que pour mon départ, en fait, ils m'ont offert un Zoom. Je suis trop contente. Bon, je l'ai pas utilisé dans cette vidéo parce que il y a plusieurs raisons, dont une, je ne sais pas où sont les cartes SD. Je sais même pas si... Normalement, il y en a... Non mais c'est bon. En fait, c'est pas évident. Regardez, le carton, et ben les cartes SD, elles sont cachées là, dans une petite boîte secrète. C'est pas évident Non, je suis pas bête. De toute façon, vous pouvez plus rien me dire, je suis pas allée au bureau lundi. Enna. Vous pouvez regarder mes autres vidéos si vous voulez, cliquez sur les liens qu'il y a, que je vais sûrement mettre après, là, comme ça, pour décorer mon visage. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Maintenant, il faut juste que j'apprenne à faire fonctionner.